tango Bible ezali koloba na mwana ya pasteur ezali koloba inaye ke il est un enfant comme tous les enfants de l'église. Tanga Bible, la Bible dit ceci, que le pasteur, l'évêque, ses enfants, on doit veiller sur eux dans leur conduite ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que ce sont des personnes sur lesquelles Dieu est en train de les regarder ces gens-là. C'est pour dire que les gens qui nous suivent en ce moment doivent comprendre que le débat de qui est père et que son fils est devenu aussi pasteur ne pouvait pas exister. Par contre, ce débat-là devait être applaudi. Tellement dire des collègues qui ont se rencontrés dans le travail. Je donne un exemple. À deux reprises, Tokutanana, Sonika Futa, na Kananga, ngai na sali campagne, tango ngai na za kulungwa et puis yepe aye, tango azonja waki na yebisinga ike ah. Là, j'étais juste évangéliste. Hein. Bah, vice-président de la République, comme ça existait, Bazala qui présent à Wanawengesika, au Koutibiso, c'était plein, les ministres du gouvernement étaient pleins, les évêques qui venaient de Brazzaville et de Kinshasa étaient présents selon la liturgie. Donc, Nalala, Nalamuka, Nakomi évêque, Nazala qui sacré. Oyo ba benga kana lingala ba bulisanga yevek na misu ya batu nyonso selon les normes charismatiques et évangéliques. Voilà. Ce qui a poussé certains enfants de pasteurs à refuser de prier dans les églises dirigées par leurs parents parce que à kokuta ke batuko na balingi yete mais batu mbaka bango moko wana bazali kolwana mais mwana na ye balingi yete ngai na lobaka boy soki moto alingi mwana na yote na yo moko alinga ka yote. C'est surtout parce que na banda tu komona parfois exemple ya ba pasteur okuta mukolo moko na moni pasteur na paroisse quelque part na zaki na mbujimai bazaku zanga na pétrole ya koti malor ta na za moni biloko wana robi abon. Ngai na koma mpe pasteur ya mukolo moko na zanga kati na pétrole ya koti na mwinda. Alors j'avais vraiment le dégoût. Un homme de Dieu azali na Kinshasa mpe ayebaki ngai depuis bumwana ayebo ya yebisinga yo zamba yebisinga ike azali ko bienga yo na musala na ye wana ezali na ba 80-81 na laki ye ke papa na respecta yo mingi. Ce qui a pesé ngai lisusu prophétie ya boye na kupusa na ka lisusu pembeni na yote. Voilà, grand merci mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous nous regardez à travers le monde sur Équilibre Télévision, votre chaîne. Merci pour votre particulière attention. Devant vous, Jérémy Luemba, les renards du désert. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit avec un grand homme de Dieu que vous allez découvrir tout à l'heure. Moi, je le connais par cœur, mais je pense que Ngaï Nabino ensemble, Toroyeba, de qui il s'agit. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Jérémy. Nous sommes bénis par votre présence, l'homme de Dieu. Merci, moi aussi, c'est un privilège. Et à cause de la Nayo, le lot, l'équilibre, télévision. Voilà. Voilà, papa, c'est vrai, avant toute chose, tu as démarré la prière, papa. Je te prie pour ceux qui nous suivent de loin où ils se trouvent, que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit qui ouvre les cœurs des hommes travaille, touche, convainc, de manière que la lumière brille et que les ténèbres disparaissent. N'est-ce pas qu'il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nzambe, sungabiso, maeto koloba. Baye bazoki mitema, nzambe obondisa mitema na bango. Baye bazali ku se retrouver comme abandonné, Seigneur, que tu te présentes comme leur Dieu. Merci pour tous ceux qui nous suivent. À ton nom, donne gloire en Christ Jésus. Amen.
Amen. Voilà, merci pour cette prière, l'homme de Dieu. Je rappelle que nous recevons pour vous l'évêque Ejibayama Pia. C'est un grand nom que nous avons tous entendu depuis longtemps, des années. Alors, c'est un privilège de les recevoir dans notre plateau, en tout cas, ils ont fierté Makassi. L'homme de Dieu, c'est vrai, moi je vous connais par cœur, peut-être que vous avez un bandico, parcours en haute. Comment évêque, comment au banda ministère, ndengeni, comment Moussel Nanzambe, depuis quelle année et puis na circonstance nini. Nyonso avant na loba na comment Moussel li Nanzambe ndengeni. To bota makabasali Nanzambe te, to koma kabasali Nanzambe. Ça signifie ezali processus ya solo balandi bakoloba non. Nzamba yebisa Jérémy que j'étais consacré de le sein maternel. Mais oui, il y a un processus qui arrive. Là, c'est la pensée de Dieu qui veut dire que chacun de nous, dans la pensée de Dieu, existe déjà. Dieu n'est pas surpris, mais pour nous les humains, nous suivons le processus. Ngai nazachu kosambela na église moko na mboka na biso et puis maka nisinangai ezalaka ke soki mukolo moko na kokoma mpesango nde na sima ya 6 ans ya ba humanité bon eyeko ya na ke kuluka musala na communauté mususu oyo ezalaki ya basango te tango na komi kuna na zuya engagement lokola molakisi wana ezali ko remonter na bambula 78, donc 1978. Na côté kuna ya province ya Lomami, oyo babenga communément Kabinda, mais à ce moment-là, tout était appelé Kasai Oriental. Après, tango na commune, na zaki elenge, et puis na bandu kote ya ko maintenant, na fungu la parenthèse. Eloko ya kokamwa makambo ya Nzambe ezalaka na ndenge nango. Tango ngai nazalaki na 10 ans na 5e primaire, chorale moko eyaka koyemba wana toko kobenga ngo chorale ya ba pentecôtiste. Tango bayembi batuni mukolo wana, je me rappelle un dimanche après-midi, tango batunyosi ya bakilte basilisi bango bayembi bana mike, c'est toujours la curiosité. Mutiyembi si abandi koteya alobi soki na banzembo na biso soki na mateya muntu oyo andimi Yesu Kristo lukula nkolo mpe mobikisi a tombola musapi. Mais tango na tomboli musapi na ye ko me rendre compte que batu mususu batombola ki misapi te. Voyant son wana na kitisi, mais modérateur a telemi alobi nde konzamba si amone yo tombola kiluboko koyoka sonite. Bon, bref, mukolo wana eleki na pesibo moyi na ngai epai na Yesu Kristo lukula nkolo mpe mobikisi. Mais bambula kokende ngamonaki yango lokola likambo ya azar, mais processus ekei na zongeli makambo nyonso ya bajene ainsi de suite. Mais en 78 ndenge na lobby après les humanités na kayuko tangisa na ekolo na uta kikolo baliboso nde na butu moko avant Noël, je me rappelle très bien na bosa na kate mutei wana telemi azali kote ya oy na yebilelo 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et lobi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tango atelemi koloba apesa exemple moko na bosa na kangote na lobi oyebi soki moto aza na masumu aza kosepela aza komona ngwelengi, mais batu mususu oyo bayebi pole na sango malamu baza komona ngo mbindo nde apesaki image ya insecte moko na bamboka bato bakendaka kosala nzongo juste na bazamba et tout ça. Donc cet insecte là
sa spécialité, c'est rouler les caca. Donc, il y a un petit exemple. Il y a un exemple. Tant que vous avez roulé, vous avez un peu de temps. Bien. Mais, moto ya bomo ya ta moto ango oyo asombaki nyeiwana soki atali ya kotala lisusu mbala mibale te. Alors il dit ndenge moko na moto oyo aza na masumu. Alobi omoni apesi ndakisa, tu vois les insectes qui sont dans les WC. Tango bango bazana kati ya WC wana kubaloko bazako kubaloko ezali sengo bazana ngo kuzala na WC mais yo muto yo normal tango tali WC boy moyen ota la deuxième fois ezate alors alobi c'est ça la vie de quelqu'un qui vit dans les péchés alors mokolo wana na ye ko reprendre encore oyo salama ki il y a 10 ans Dieu souverain na komi mwana nzambe na komi ko yemba na koti na chorale na za ko yemba et puis 2 ans plus tard ba komi ko la tele misangai ko salmo programme ko salmo li lendi simuke et les gens voyaient que non il y a quelque chose dans ce jeune homme maintenant na ko continuer makanisi na ngai oyo ya kolobete na kokoma sango elungwe alors bato bazaki kondima teke na koumela na makambo yango ya Nzambe balobi na peti wana kala mingi te ya kozongela makambo na ye wana ya projet ya koma sango et tout ça ba eveke oyo bazaki kolandela ngai na diocese kuna ya Kabinda tout ça alobi non c'est terminé je ne suis plus là dedans et na komi mutei ya liloba na Nzambe na komi ba pesanga mo programme et tout ça mais likambo moko na ko mentionner Jérémie oui, na zala ki kondimate ke ngai na zala wana temps plein kote ya ka liloba na Nzambe non je ne voulais pas pour 3 raisons la première na za ki ko kanisa ke Batu bazaka ndengo wana ezali batu ki yon parfois rate la vie. Puis na bandaki ko kanisa ke na ba situation wana c'est surtout parce que na bandaki ko mona parfois exemple ya ba pasteur okuta mukolo moko na moni pasteur na paroisse quelque part na zaki na Mbujimayi bazaku zanga na pétrole ya kotia malor tant na za moni biloko wana na lobi ah bon ngai na koma mpe paste ya mukolo moko na zanga kati na petrole ya kotia na mwinda alors j'avais vraiment les dégoûts un homme de Dieu azali au na Kinshasa mpe ayebaki ngai depuis bumwana ayebo ya yebisi ngai yo nzamba yebisi ngai ke azaku bienga yo na musala na ye wane zali na ba 80-81 na lakiye ke papa na respecta yo mingi ce qui opèse ngai lisusu prophétie ya boye na kupusa na ka lisusu pembeni na yote donc tikangai calme ce qui côté ya oui problème ezate na ko côté ya mais ba wen land baza ko yo kabiso ce qui nzamba ti yo musapi en tout cas yende ya kolonga yo kolonga nzambe te voilà. Et voilà nandenge na komi prédicateur, évangéliste, Kotambolaka, République démocratique du Congo, Mobimba, Kotambola Bamboka y Afrique, Kotambola Bamboka y Europe, y Amérique, na kote y Sangomalam. Donc, na Mokil Mobimba, continent Oyo, nan na Kendate, bon, c'est peut-être le continent asiatique. Bon, nous na koma na Chine te na Hong Kong ou bien toutes ces nations là mais du reste l'Amérique le nombre d'états je ne peux pas en compter l'Europe dans son entièreté gestionnée avec la parole de Dieu pas avec les habits à vendre non juste prêcher Jésus le sauveur de l'humanité en Afrique gestionné pas toute l'Afrique mais beaucoup de pays d'Afrique pour prêcher dans des grands stades si je peux citer l'exemple de la Côte d'Ivoire j'ai prêché au stade de la CAF à Boaké j'ai prêché au stade Oufouette j'ai prêché au lycée technique à Yamoussoukro donc voilà un peu na mboka na biso baoyo bayebi très bien nazalaki ko conduire ba convention chrétienne à ce moment-là les termes convention chrétienne n'existaient pas
na ba sale na ebite soki yo yebi yango na stade municipal ya commune ya Kinshasa Malula ba benga ka 24 mais sale bazaki ko benga ngo Mongita bazaki ngai ko sangisa ba serviteur na Kinshasa mobimba koteya na esikoyo ya Pongabi lelo eza batonga stade na tozaki ko benga ngo Kiltrana na sala ba campagne sikwana na sala na Kinshasa wa Toloba Bandal naba municipal kuna Toloba King. Donc c'est un peu là mon travail maintenant là comme représentant légal. Je suis le fondateur, l'initiateur de la grande communauté Église Pentecôtiste des Secouristes installée à Kinshasa dans différentes communes, en République démocratique du Congo dans différentes provinces et même à travers le monde. Voilà un peu ce que je peux dire en ouvrant une parenthèse na makambo etali politique na ponamaki na circonscription ya Moamba na 2006 lokola député national et sur 815 candidats, nous n'avions que besoin de 13 députés et moi, j'étais sorti député. Et donc, je vais dire à ceux qui nous suivent, je suis un leader multidisciplinaire. Honorable Ejiba Yamampia, en tout cas, merci évêque, je crois que vous expliquez Bissot quand même avec toute modestie. Parcours d'un combattant, Marambo Salina Mboka, sur le plan évangile. Alors, mais donc, si je comprends bien, ma sola va plein, va évangélisation. Ils ont débat et le loté, banda déjà, années 80-90, vous salamou déjà. Ouais, tout salamou, poawa, naïe, ko tanga ba kombe ya ba touté. Mais génération, alors quand même, Bouzagina, c'était qui votre adversaire de taille à l'époque, on attend Boubima qui. Vous allez rendre banane au fait l'histoire. Bon, le dire adversaire c'est trop dur. Mais je vais seulement dire des collègues qui on s'est rencontrés dans le travail. Je donne un exemple à deux reprises Tokutana na Sonny Kafuta na Kananga ngai na sali campagne tango ngai na za kulungwa et puis yepe aye tango azonja wakina yebisinga ike ah. Et là, j'étais juste évangéliste, hein, on m'appelait évangéliste plus. Et je, ah, Mouteye, na Koutisango na yo, na Kananga, et puis na Lubumbashi, ye azali ko silisa, na Moussala na Pasteur Moko ayebani, Lubumbashi Mobimba, na Kinshasa, le révérend Kiluba wa Kiluba, un grand homme de Dieu. Tant que Yazali Kosilisa, et puis Dieu avait accompagné son ministère avec beaucoup de grâce, donc je parle de Général Sonny. Et quand j'arrive, je me retrouve aussi accueilli. Je le trouve que Yalinga Kialungwa Akende Kolwezi, nous avons passé quelques moments et j'ai fait encore un travail là-bas. Les gens pensaient même que ah, awa lukula général Sonny a likiawa. Est-ce que là wana toza lukulbana mike, est-ce que frère wana akokokawa? Mais na ngolo na Nzambe tango na Telemi na lobby oyo Nzambe tia kati na ngai et les gens étaient là stupéfaits, lui-même le sait. Donc il y a plusieurs, bon, certains ce sont des jeunes frères, je ne vais pas les citer pour qu'ils ne disent pas que Ponanini Alobi, jeune frère Nazali, un homme très connu. Non, non, eux-mêmes le savent. Les gens, bon, comme tu m'as demandé, les gens de cette époque-là, bon, Léopold par exemple. Moutoumbo. Oui, oui, quand je parle là, il suit. Et quand un jour il interprétait Jean-Louis Jaillé au Pongabi dont je parle là, bon, Jean-Louis, comme il était un peu, quand nous sommes arrêtés, nous avons dit, bon, Bamindelo, on a interprété Bangwer Moko, Bazali, pour comprendre que nous, chez nous, nous sommes déjà des hommes affermis, mais nous acceptons de rendre ministère et tout ça. Donc, j'ai cité dans le cadre des conventions et organisé les événements des pasteurs avec le mouvement AFMIN, Africa Ministries Network, nous avons eu le privilège, il y a qu'au former
plusieurs pasteurs dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et donc, il y a autant de personnes qui sont de notre génération. Je ne peux pas oublier Albert Kankenza, Pascal Mukuna. Et voilà un peu les gens que je peux dire, c'est eux me connaissent mieux comme je parle là. Bon, nos jeunes frères qui sont en train de monter, bon, ils montent et ils oublient que non, non, il y a des gens qui brillaient aussi hier, donc qui chassent ceux qui affichent Ebimi. On sait déjà que ceux qui ont Wanazate, oh yo yo, à cause de là. Nous bénissons le Seigneur, c'est le temps et nous sommes là. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, l'évêque Ejiba Emapia. Et on aurait tracé quand même l'histoire et l'époque où on a si bien. Mais avant la Simba, quand même, sujet du jour, on a relancé une petite question avant de rebondir. Et, mais Lélo, apparemment, il y a ce qu'on appelle les conflits des générations. Le jeune prophète, le jeune évêque, plutôt le jeune évangéliste, avait mis Lélo. Ozomona kebazolo bagé aba vie wana et si ba pengwa bazo qualifier bino beaucoup tala ba biloko ba benga ba kabal juif boza sous na nzambe ya kala wana te. Comment tu peux réagir par rapport ya ba dire o bandeko mingi ba elelo ba koma ko qualifier bino l'homme de Dieu te eloko eza ko sala ba génération ezali boye ezali na bato bazui processus te. Processus lingi koloba abongoli motema esika boye asali ekole de dimanche esika songolo et puis akoli na makolo ya mutei boye donc mutwana nde ya koloba des choses comme ça yami balé kozanga konjima kozanga kozela donc tango azali komona ameki oyo parfois biso to vivaka ye a vivre yangote suko yo azako lobete te ba vie wana soki bazaki kusala ba makambo boye boye mpo bazaki na mwa biloko boye et c'est ce qui les détruit de pouvoir bien évoluer et de n'avoir même pas des ministères qui durent longtemps. Omona moto appelé moi moto généralement oyo bible bengaka moto ya matiti donc pelimuke wa printemps et disparaître nango donc biso toteya évangile et komisi biso itozali lelo kokutana na bakonzi ezali à cause de l'évangile ba repere yo que te mutuana ya nzambe za na kati na ye et puis voilà un peu ce n'est pas ce que les gens pensent ya tunaki ndengini na komi évêque ngai nazalaki sacré évêque selon les normes bibliques et liturgiques en présence ya ba membre ya gouvernement à ce temps-là en 2005 ba vice-président de la République comme ça existait bazala qui présent awa na wenge sika okutibiso c'était plein les ministres du gouvernement étaient pleins les évêques qui venaient de Brazzaville et de Kinshasa étaient présents selon la liturgie donc na lala na lamuka na comme évêque te nazala qui sacré oyo babenga kana lingala babulisanga évêque na misu ya bato nyonso selon les normes charismatiques et évangéliques. Voilà le doyen Ejiba Emapia quand même ozali moko ya génération oyo bomema ngambu parce que bosala ebele bato mususu après ba comprendre ba vie wana ba simbaka je crois que au répondre bango déjà sagement c'est bien mais quand même un phénomène où tout le monde appelle l'eau il y a succession dans l'église nous avons vu au salimingi après comment un temps c'est l'enfant qui vous remplace tout le monde est dans l'église et belé bande qu'on a aussi katenda bande qu'on a yo bambiye bande qu'on a yo le mot tombe à consacrer moi là on ne parle pas des gens bien sûr mais quand même cette histoire là est salie polémique. Balbibino boza bato bosala ki nzambe na profondeur boyebi bible doctrine mais est-ce que le fait aussi ya kotika bana ba remplacer bino c'est biblique ou bien zali ba sentiment de comme intervenir l'homme de Dieu otonga motona qui dirait d'actualité très compliqué bon na bande koyo bisonyo stoza kolanda problème ya biso bato ezali likambo yo zali ko condamner mutuana mpo yo nanu ekomeli yote
Dans quel sens? Oyebi namokili. En tout cas, Jérémy Luemba, yomoko mibengaka renard du désert. Très bien. Ça veut dire que un renard fuit landela makambu pembeni. Nani akochi kosakana na mwana yanganga. Soki balobike ah bokeba. Jérémy Luemba zaka papa na zaka nganga munene. Est-ce que muta kosakana yo? Te baba. Tu nyoso balobe. Ah keba akoko zange lokote. Alors ce qui tozongi sikoyo na Bible. Très bien. Tango Bible ezali koloba na mwana ya pasteur. Eza koloba inaye ke il est un enfant comme tous les enfants de l'église. Tanga Bible. La Bible dit ceci que le pasteur, l'évêque, ses enfants, on doit veiller sur eux dans leur conduite ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que ce sont des personnes sur lesquelles Dieu est en train de les regarder ces gens-là. C'est pour dire que les gens qui nous suivent en ce moment doivent comprendre que le débat de qui est père et que son fils est devenu aussi pasteur ne pouvait pas exister. Par contre, ce débat-là devait être applaudi. Pourquoi je dis qu'on devait applaudir? Parce que cet homme a pu non seulement prêcher les autres, il a prêché son propre fils. L'onction n'est pas descendue seulement sur les autres, l'onction est descendue aussi sur son propre fils. C'est là que nous disons à ceux qui nous suivent que par rapport à ce débat, nous devons toujours nous poser trois questions. La première, cet enfant-là, est-il membre de l'église, oui ou non? S'il est membre de l'église, donc il peut aussi faire le travail qui se fait au sein de l'église. Deuxième question, Dieu peut-il appeler l'enfant d'un pasteur pour devenir aussi pasteur? Si nous disons oui, et donc s'il peut être appelé pasteur, et à ce moment-là, il a aussi droit de. Trois, on doit se poser la question. Le papa là, Dieu ne peut-il lui montrer que les appels des autres enfants, mais Dieu ne peut pas lui montrer l'appel de son propre fils? Et nous disons, oui, Dieu peut le faire. Dès que nous arrivons à ces conclusions-là, et que l'enfant est un chrétien né de nouveau, l'enfant est appelé par Dieu pour exercer le ministère, et donc, si son père biologique trouve que mon fils peut me représenter valablement, mon fils peut continuer cette œuvre que Dieu m'a donnée, l'onction de Dieu sera sur ce travail-là. C'est pourquoi, qu'est-ce que je dirais? Je vais dire à ceux qui nous suivent, que le débat ne pouvait pas être là. Le débat serait qu'est-ce qui avancerait le royaume de Dieu. Si avec l'enfant du pasteur, le royaume de Dieu va avancer, applaudissons le Seigneur, voyons le royaume, ne voyons pas l'enfant du pasteur. Par contre, ceux qui ont cru à ce pasteur-là et que le pasteur leur dise que voilà, je vous présente un nouveau pasteur ou celui qui sera pasteur. Vous savez, Jérémy, ce qui nous étonne, les gens peuvent être avec ce même fils-là, ils chantent avec lui à la chorale, tout le monde est d'accord qu'il chante, ainsi de suite. C'est ce qui a poussé certains enfants de pasteurs à refuser de prier dans les églises dirigées par leurs parents, parce que à Kokuta ke batukuna balingi yete, mais batu mbak bangu mokuwana, bazali kolwana, mais mwana na ye balingi yete. Ngai na lobaka boy. Ce qui mutu alingi mwana na yote na yo moko alingaka yote. C'est clair. C'est clair. Voilà, merci pour la sagesse, l'homme de Dieu. Alors, je crois que tous au cours de la deuxième partie émission, on va essayer de parler aujourd'hui sur les prophètes et les prophéties. Papa Ejiba, Yamapia, l'évêque, je crois que ton messani n'a pas prophète dans beaucoup. Prophétie de gauche à droite, Nzamba Lobelinga, na lotaki, na monaki.
D'abord, comment vous concevez d'abord cette histoire et la prophétie? Et aux allers évangélistes, au progresser, au commis avec nulle part n'a parcours non, mais tel engagé celui que commence à prophète. Bon, on a évité. Est-ce que vous posez un don la voyance au monaka, au prophétiser à paix, mystère et la prophétie au définissant en haut comment? Bon, c'est vrai ndengo lobi que nami benga prophète te, mais na salamu salawana ngai na zatu ko salaboy. Na sali na pes exemple. Eloko naza kolobawa mukolomoko bishop mapasa baoli moki mantan que je salue tokutani na ye na convention moko tangu ba pesieli lo balobiete papa oyo ya ye kote ya mabadon ezalika katei wo le don de ceci non il vous parle des dons et puis il passe à la démonstration donc ngai j'enseigne quand j'enseigne les paroles de connaissance. Voilà comment on travaille avec les paroles de connaissance. Ça travaille comme ça. Quand j'ai fini, je commence maintenant les paroles de connaissance. Donc, je vais te dire, je n'ai pas besoin de ça. Moukolo Moko, papa Moko Azachu Kosala, dans la nouvelle banque de Kinshasa, à ce moment NBK, et Sika est commis Tembela. Très bien. Moussala na ye linga ki si l'ampo cheke bunga ki na bureau na ye. Ba ye na ye, balobi. Frère Okoko Sambela mpona papa oyo grand directeur na banque Musala na yeko sila ba pesi 48 heures ceux qui chèque wane monanité Musala ici les pour akenda akwen de prison na fukami na sam na kangimis na sambele na sambele na ebise papa est-ce que oloki biloko nyoso ezale na mesa na yo ye alobi papa tofuye nyoso papier moko na moko. Imagine-toi, quand on veut chasser un directeur pour un chèque, ce n'est pas de 50 000 dollars, c'est 2 millions. Alors, j'ai dit tosambeli. Tosambeli, tosambeli, na lobim bon. Na zali komo na enveloppe kaki, mais yamune nete. Na moni enveloppe kaki wana, ezali lukola rectangle moko boye. Alors, enveloppe kaki wana na moni yango ezali na farde. Farde ezali couleur argentée. Alors, nde nazaku mona na yebite. Est-ce que chek bozaku luke ko tuko zala na enveloppe wana te? Papa wana alobi, bon, tozonge la kuluka. Papa, nazaku loba, nzambe alola za témoin. Bakenda biro, bafungula boye, bakomi kutuna, o. Est-ce que type wana a sali bisala salate mpo enveloppe wana ya kokwe ya na bureau bakuta na kati ya ba farde une farde argentée et on a trouvé là-bas la situation dont je vous parle et le type a été sauvé du travail. Ça c'est juste un exemple. Ceux qui na bandi ko loba ba exemple ba oyu bazaku landangai ba yebi très bien na kitambu jimai na komi boye na bandu côté ya na campagne na grande place oy ba bengaka la poste la place de la poste Jérémy ba oy ba sala ba campagne sikawana pour les gens de la ville de Kinshasa archbishop Coutinho asia sala campagne na sikawana parmi les grandes places abndehor ya place oy komi lelo de la bonzole kuna na paroisse catholique nde place etikala parce que sikwana basi batongi bandako se n'y a plus de la place. J'arrive, plus de 60 000 personnes étaient présentes à cette croisade là en 1989. Je parle et instantanément je dis il y a un monsieur, je déclare c'est un homme, il a été opéré et son opération n'avait pas réussi. La plaie opératoire fait des problèmes et cette plaie a été déclarée cancéreuse. Le monsieur sorti, quand il raconte, nous avons ces choses sur l'image, mais je crois que certaines images ont été écrasées et nous ne les retrouvons pas. Ici, il est. Son nom, monsieur Fouamba, c'est un ingénieur qui a construit parmi les constructeurs du marché de Mbujimayi. Et il a témoigné publiquement. Je veux dire que les prophéties existent. Les paroles de connaissance existent. Un jour, je prêchais. Les gens, Tango Hermoko, Nazao Salaba Séminaire, Batubaza Kuluka, Napesa, Ba Prophétie, Nabeta, Natunibatu, Wane Salama Nangiringil.
Awo boza kolob soki nzamba lobi ke mutu moko azandoki. Soki na lobi yango wa. Eblis mobimba banjimi balobi eh ata soki andoki loba. Alobi te mbon to sambela bayembi bayembi tango to silisi na banduko sambela na lobi te mbon bo bando yawa bo bando lek moko na moko. Tango mama moko aleki na mwana alors deka lungwe na ebisi bango mbon. Ba wutu komemela ngai mwana moko ya mwasi. Azali na robe généralement blanche et azali na tache bleu rouge mwana wana azali na biloko na kati Jérémy mama kimi na mwana mais papa na ye a reconnaître la lobi mwana oyo balobia za mwana ngai ngai talandeng na souffrir donc je veux dire quoi nzamba talisaka makambo au na ville ya Kinshasa. Les exemples sont les gens pour na épargner tant na bande kotolobike oyu bisoto ceux qui to tangisi makambo etali prophétie les prophètes ce n'est pas des histoires théoriques de deux ngai nazali un pasteur formé très bien j'ai été à l'école biblique chez les assemblées de Dieu j'ai une licence en leadership et croissance de l'église avec l'école des amis des américains qui venaient. J'ai présenté des examens pour cela. Donc, je ne parle pas du loco basé seulement na expérience, na za koloba makambo na yekola na classe ya Bible, na za koloba makambo na sala na vie en tant que prédicateur de l'évangile, na commune à Lubumbashi. Il est dans la grande église, Jitel, comme on l'appelait, dirigée par le révérend Kilouba. Na telemi boye, ku telema na telemi na lobi, ah, bandeko nzamba fungulinga misu na moni mutu na moni ye lukula je suis formé na yebi ndenge nini ba pesa ka prophétie parce que nzamba ya kampo na koyoki sabatu sonite mulimo na nzambe ezali na objectif na lobi awa de mon côté droit il y a un papa na banduko pesa ba détail sikoyo tango papa waneska fandi comme azalaki grand donateur ya église azalaki grand cadre na Jekamine, azalaki un serviteur à l'église. Maintenant, tout le monde pensait que je risquerais d'aller vers lui pour lui dire. Et quand nous avons fini le culte, il me dit, ah, j'étais déjà là. Bon, soki kaka, frère Oyawuti Kinshasa, altalisi na musapike, ngai, na kuboyete frère Ozalukuta. Na kuyebisa yeke makambu nyonso lwane me lukula asali yango na politesse nyonso me nyonso altangu tokeyi na bureau et pas pasteur na ye. J'ai dit le pasteur est vivant, je parle du pasteur Kilouba Wakilouba. Les hommes de Dieu qui étaient à Jitel, qui sont ici à Kinshasa, certains étaient présents. Et ceux qui sont à Lubumbashi de la grande église, le moissonneur de pasteur Pierre Kyungu. Donc tous ces gens que je cite là étaient présents. Prophétiquement parlant, je n'ai pas vécu à Lubumbashi, j'étais là seulement pour la mission évangélique, pour dire, Moli mon Nzambe et l'obaka. Et loko bisobana na Nzambe, tozako bosana, c'est comme si, tokanisaka ke, diable, bambikudi, banganga, bangonde, bamonisaka ba secret. Te nzambe atalisaka ba secret akoki ko talisa mutu na kombo moi mon épouse maman moi c'est nanga ya ebi bon je lui présente d'ailleurs bonne fête hein chérie Christine bonne fête des femmes très bien. Et tu connais ce que je dis to fandi boy na za webe simbon lobby na ba 10h mutu moko akoya le kambo na ye ezali 1 2 3 et puis tango akoya je donne même les détails 10h, porte Betty. Et puis, mon toyer, bandu kolob. Tu vois quelqu'un, bamususu balinga kolob makam, ce qui maman zaibouana. Alors, bamususu mpe balinga kaka na pasteur yomoko. Alors, te, le kamna nango, na lingina lobata maman fandi, commence à parler, ma femme me regarde. Ainsi de suite. Naye bisayo, mukolo moko na église na biso, au na réunion yao. Très bien. Na sali service to sali service na yebisi banjimi na usambela na kupesi mino mafuta bokende ya lor ba oyu boko pakula mafuta bako bika mwana moko akeyi epana bango bazake na mwana ya jare ba minganga ba pesi kise za kusimba te et puis
tout ba moni mwana tese akukufa akeyi petit wana zui mafuta apakuli mwana diarrhée telemi instantanément ce que famille mobimba ba bengiye yo nini boy biloko nini nae alors ba yebise nini oyebi ke pasteur nabino azalaka musonge. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que est-ce que Azana Kissi n'a pas eu à songeté? Tu vois la conception des gens. Tolingi Koloba, Nzamba Zana Nguya Kuleka Kissi. Très bien. Nzamba Salaka ba démonstration Kuleka Banganga Kissi. Mais l'okoto senga kande banana Nzambe, Koluka Mbangu Mbangu, Nde Salaka keba moussous non expérimenté, ba kenda kakuluka, biloko nino yokochuko salake na kende rapide. Notre landa processus. Landa processus, alors l'évêque Jiba et Mapia, lentement et sûrement, tous chité. Mais êtes-vous quand même d'accord, dans la prophétie à l'élo, aux hommes, le prophète à Zolo, par exemple, aux hommes, à Moutou X, à Zagin, au tel lobby, maman X, Y, à la tille, à la couleur bouille, qu'au détaillé, à la sous-vêtement, à Batou, Moutaouti, à l'hôtel, tout ça. C'est aussi biblique, ça. Vous trouvez ça normal aussi, quand même? Géolocalisation. Mutazolo ba kena moni mutu, ozana ngaba, ozana lemba, tout ça, eza magie et koti ou bien eza kaka kibonzambe ou binobuluka wana. Ezali kibonzambe, mais oyo azako sala, ngai na yebi, force nini azako sala nango. Mais sauf ngai nazali ko confirmer que oui, na bonzambe. Wane salemaka na pesa yo exemple mibale na bandi na mokonzi nanga oyu abenganga oyu abikisanga kombo na ye Yesu Masia ba yeli ye mutu moko ba yebisi ye kombo te de katali yebo ya lobi tala na Tanael oyu kombo nanga alobi tete na monaki yo tango zaki na se ya nzete na monaki yo deja akamwa lobete na yebiye ozamu yuda alors na moni kutu mu yuda ya véritable mu yuda sa mélange alors akamwe alors na linyuko lobanini soki tozuika ka exemple wana alors bima kamu misato ya liboso ayebisi ye kombo na ye ya mibale ayebisi ye sika zalaki ozaki na se ya nzete ya misato ayebisi ye esika uta na tribu oye ya uta. Qui veut dire quoi? Na lelompe molimu na Nzambe ekoki dès que Jérémie Lwemba kutananga aye na nga ba mama moko aye ke ya beteli bande kuna ye masolo o ye biwe pasteur na biso et tout ça tango ba ye mokolwa na boya kete na kuyoka mutu tenga yende na koloba donc aye dès que aye mama Fandi abise mbo mama aza mona machine à coudre alors mama sa alinga zonga sima no betete zeramuke na machine à coudre ngo na moni machine ya mibale ebungi et puis machine mususu e baby donc misala na yo yo za couturière mais alors donc makambo na za koloba bao ya église na biso soki batoni mama espèce sombamano yake na bande kuna ye bafanda kokuto awo epana fanda na kingasani mais na yebisi mutu wana na musaloyo asalaka na yebisi ye na machine we likambu ya machine ebungi nde oyito yela kimpo biloko eza kubunga ngana ndako donc la précision voilà soki tozongi na tango ya kala saula komaki mokonzi ndenge nini Saul azaki na banyama na ye oyu azalaki ko ya tata na ye azaki koluka ebungi aimituni ke a sikoyo prophète nani asemo mala azaku benga ye voyant comment allons-nous vers le voyant nde ba ye kokoma ba komi alors Samuel abandi yo ozakuluka bibwele ya papa na yo wana ayebiseli kam ya mibale atangeli ye na mikolo ye bungaki ke ebungi sa fe 3 jours alors ayebisi ye ce qui est déjà là ok et se monani mais tangu tozakulobawa papa na yo azali susu na kolela ya bibwele te azali kolela nde yo mais awe siko ye
nzambe mpe azali na plan mususu mpona yo. Donc tolingi ko yebisa justement wana que le problème il y a prophète atanga chiffre, c'est clair, il a montré ce qui tokeyi na prophète oyo akoti ko yebisa mutu na ndoto yo alotaki. Mais Daniel musala na yeza kinini et loko ezako sala biso basali na nzambe ngai na koti ko za la problème na Jérémie Luemba. Maintenant mpona sacrifier ye lokole na yebi ke a prophétisaka. Alors on gagne ba prophète nyanso oyo ba pesa ka ba nombre oyo ba pesa ka ba biloko boye ba magicien ezali biloko to mesana nango soki balingi ko sacrifier pasteur biloko ezala kamisato ya liboso baloba na yete azandumba ba yebi ke soki babambi ye wana bato bakokima ye ya mibale baloba ke aza sorcier ou bien aza magicien so ba yebi ke tango balobi bongo bato bakokima ye ya misato baloba na ye ke alie mbongo mbongo ya église sali boye et les gens sont habitués à ces jeux là. Nous disons à ce moment là ke basali na nzambe ba pasteur lukula ngai batoyo batombwami chacun à son niveau. Non, nous sommes en train de former les incrédules sans le savoir. Parce que quand nous diminuons la puissance de Dieu pour encenser la puissance de la magie, les païens voient déjà en ça, ah bon? Donc, que notre Dieu est capable de tout. Mais ce que vous avez dit, c'est exagéré. Mais Jésus est moko. Attambouli le colo yamai. Balobani ni Jérémie. Balobi que c'est un magicien. Oui. Mais là, je veux être équilibré. Parce que tous les équilibre télévision, n'est-ce pas? Très bien. L'équilibre nous demande que si l'un, l'autre là, parce qu'à l'époque des apôtres, vous connaissez le problème de Philippe l'évangéliste dans Actes des Apôtres chapitre 8. La Bible déclare que cet homme-là était magicien. On l'appelle Simon. A tiki magie, tangoye pa Philippe azali ku seng bangona ba Pierre. Tango Pierre atil batuma boko batuba bandu koloban langa lobi bope sanga indambo ya boye. Azalaki kosa la confusion biloko na ye ya magie na evri ya Saint-Esprit. C'est pour dire la confusion là a régné depuis longtemps, mais nous comme enfants de Dieu, nous comme serviteurs de Dieu, prêchons davantage la lumière, prêchons davantage la puissance du Saint-Esprit et la puissance de Jésus dominera la puissance des sorciers et des magiciens. Voilà, merci l'homme de Dieu. Je rappelle que nous avons reçu pour vous l'évêque Ejiba Yamampia, donc les visionnaires, comme l'a dit l'initiateur de l'église, de cette grande communauté, des églises pentecôtistes et des secouristes. Donc nous voici arrivés à la fin. Je crois que, avec votre permission, l'homme de Dieu, nous pouvons afficher votre numéro de contact pour la bande de coups, on a besoin à prière, consultation, dialogue avec l'homme de Dieu, vous serez les bienvenus. Papa est toujours là, il est toujours disponible pour tout le monde. En tout cas, merci à vous tous. Papa, peut-être un message, un mot d'espoir. Nabandekoyo, bazobela, sorcellerie côté de la famille, bas problème, bas perdre espoir, bas tendez-moi la soupe, bas coûter, peut-être vous allez. Canal la bénédiction pour la vie, Nabango. Ba oyu balandi biso ya liboso, merci beaucoup. Ba yebaza na ba hopito, ba yebaza kozela avion po babembuka, ba yebaku fisi bandeko, ba yeba serviteur de Dieu, bazali ko se retrouver oza ko sala musala musala ezali ko matate. Ma prière pour vous est que Dieu tout puissant, le Dieu des saisons, le Dieu des temps, le Dieu de la diversité puisse descendre dans votre vie, chacun selon son cas et selon son besoin. Si c'est un cas des affaires, je ne peux pas manquer de prier pour les politiques. Je sais que vous êtes dans un monde des investigues, vous êtes dans un monde de toutes choses compliquées, les gens qui se haïssent sans cause mais par jalousie, que la puissance protectrice de l'Éternel descende sur vous.
Je bénis les institutions de la République démocratique du Congo. Je bénis le président de la République. Je bénis le Parlement. Je bénis le gouvernement. Je bénis tous les militaires et policiers, les cours et tribunaux et tous les hommes scientifiques de la République démocratique du Congo. Que l'Église du Congo soit bénie. À ceux qui sont malades, le Dieu qui n'est pas limité par les distances puisse vous toucher, que vous soyez en Amérique, que vous soyez, je ne sais pas, en Europe, en Océanie et partout à Kinshasa ou dans quelques provinces, que ce soit de la République démocratique du Congo, que le Saint-Esprit vous touche, que la guérison vous soit accordée, que l'onction des miracles vous visite parce que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Soyez bénis, recevez la grâce divine au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. Nous voici arrivés à la fin. Ce n'est qu'une première, donc je crois qu'on aura l'habitude de recevoir l'évêque Djiba Yamampia régulièrement ou même souvent parce que il y a la matière que nous devons quand même exploiter. C'est très important. Je vous bénis, je vous salue. Merci à notre conseiller, Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg en Suisse-Irlande. Le vieux Bobo Batombo, le maître Siza Soukama depuis l'Europe également. Il y a Louis Zombala de Madrid, Bandego Nyonso aux États-Unis, Canada, en Afrique, mais également à l'intérieur du pays. On est ensemble pour de vrai. Voilà, merci. À nous revoir très bientôt. Bye bye.